Il est 13h, l'heure de Kinshasa. C'est Francis toujours devant vous comme d'habitude. Laissez-moi vous dire que vous êtes le bienvenu au nouveau numéro de l'émission Top Influenceur. Comme d'hab, on a toujours été là. Donc aujourd'hui, on est là ensemble. Donc entrez déjà, partagez le lien. Nous sommes là en direct avec notre invité de marque, comme ça a été annoncé partout dans les réseaux sociaux. On va essayer de parler d'un sujet, d'une thématique très, 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 très importante à ce qui concerne l'importance de l'influenceur. L'influenceur est utilisé comme un outil de communication qui s'appuie sur des différentes plateformes sociales pour diffuser son message et à celui de marques de réseaux sociaux, étant même les canaux de diffusion efficaces pour le perfusion publicitaire. Il est très intéressant. Voilà pourquoi on avait dit au départ que c'est un sujet très, très, très intéressant. C'est une thématique très importante. On va essayer de parler avec notre invité de marque. Je le disais, ça a été annoncé partout dans les réseaux sociaux. Il s'agit de qui réellement? On va aller découvrir ensemble avec vous. J'espère que vous avez très hâte de le découvrir. Laissez-moi venir, ladies and gentlemen. Il s'agissait bien de Ranciaku Keluki, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Bonne année à vous. Ah, bonne année, merci. En forme, ça se voit? Ouais, très bien, parfaitement, parfaitement en forme. Et vous-même, j'espère. Ouais, Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. Voilà, sentez-vous à l'aise. Ici, nous sommes l'Afro Diaspo. C'est l'Afro Diaspo qui vous accueille. Quand même, vous êtes le bienvenu chez nous. Je suis très heureux. C'est une première et je pense que ce ne serait pas une dernière. Voilà, ça, déjà, c'est la famille. Vous le savez très bien. Exactement. Voilà, chers auditeurs, nous vous rappelons que nous sommes en direct de la radio Afro Diaspo. Partagez le lien. On est là en direct. Nous sommes en train de parler d'un sujet très important, très, très important même. J'insiste. À ce qui concerne l'importance des influenceurs, aujourd'hui pas mal de gens maîtrisent ce mot et nous voyons des désordres partout dans les réseaux sociaux, des malentendus, des incompréhensions inutiles dans les réseaux sociaux à ce qui concerne les sujets des influenceurs. Voilà pourquoi cette émission est venue, pour répondre aux questions pertinentes des influenceurs. Monsieur Rancia, comme vous allez très bien déjà, ça se voit. Une fois de plus, vous êtes le bienvenu. Très bien. Merci. Pas mal de gens vous captent chez eux, à la maison. Peut-être pour d'autres personnes, c'est pour la toute première fois de prendre l'occasion de vous écouter, de vous recevoir, peut-être chez eux. Alors, comme c'est pour la toute première fois, nous allons vous demander de nous parler de votre parcours. Alors, Ranciaku Keluki est un artiste comédien de formation à l'Institut National des Arts, oui. Humoriste, producteur et metteur en scène. Je suis aujourd'hui dans l'encadrement de jeunes aussi, dans l'écriture, dans les ateliers humoristique. Hey. Et beaucoup me retrouvent sur certains programmes sur Canal+, le Parlement du Rire, Burger Quiz et un peu plusieurs spectacles que j'ai eu aussi à faire. Bien évidemment, les Marrakech du Rire aussi avec Jamel Debbouze. Voilà. Wow, quel CV. Voilà, c'est tellement vaste. J'ai même eu du mal à retenir quelque chose, mais au moins j'ai retenu pas mal de choses dans ça. Et dans tout ce que vous venez de citer, où vous vous sentez à l'aise plus? Humoriste. Humoriste. Exactement. Là où vous aimez tellement bien, là où vous vous sentez trop à l'aise. C'est ma casquette, c'est ma vie de tous les jours. Très bien. Il y a d'ici là combien d'années depuis que vous êtes là ça... Officieusement, on partirait sur plus de 15 ans. Ça fait 15 ans déjà. Officieusement. Mais officiellement, on est à 12 ans, puisqu'on venait de fêter mes 10 ans de carrière récemment. Ok, ok. On est à 12 ans et on continue. Cette année, c'est la deuxième année. Oui. Vraiment. Et voilà, ainsi de suite. Hein. Ça, c'est bien. Parce qu'il y a un 15e et... Très bien. Est-ce que vous pouvez nous relater comment ça a commencé? Ben, en fait, c'est une passion. Hein. C'est une passion. Ce n'était pas la première vocation, puisque j'aspirais à la vie sacerdotale à l'époque, quand j'étais en cadre de groupe de jeunes à l'église catholique, Saint-Vincent de Paul de Kimbangu. Je pensais que j'avais juste un côté plaisantin. Okay. Je ne le voyais pas du tout comme un métier, puisque j'étais en cadre de jeunes, je faisais du théâtre, j'étais mannequin à l'époque, on ne savait pas encore dans quoi on était bon. Du coup, on associait un peu tout ce qui se présentait comme talent. On chantait aussi à l'époque. Donc, ce n'était pas vraiment la première vocation. Okay. En faisant des récollections au petit séminaire Jean-Marie Vianney, il y a une amie à moi, Prisca, qui, je crois, aujourd'hui aussi est déjà sœur religieuse, qui m'a dit, écoute, moi, je te vois bien dans l'humour. Pourquoi tu n'essaierais pas de faire du théâtre, partir à l'INA, faire un choix? C'était un peu décevant de la part de ma mère d'apprendre que j'abandonnais cette vie sacerdotale pour me consacrer aux arts, mais c'était la chose qui me rendait le plus heureux. Et du moment où elle a soutenu, elle a partagé cette idée avec moi, et c'est parti comme ça.
de scène en scène. J'essayais d'organiser des petites choses dans mon quartier, à Ngiringiri, à Kimbangu. J'ai eu un espace à moi, je crois que j'avais 18 ans à l'époque, qui s'appelait Wianoa. Hey. Nous avons trouvé une parcelle avec des amis qui m'ont accompagné et on faisait des sketchs chaque vendredi. Okay. Et c'est parti comme ça. J'ai fait mon premier spectacle, mon deuxième et ainsi de suite. Okay. Après, nous avons eu une carrière internationale juste après. Très bien, on comprend. Et dans tout ça, qu'est-ce qui vous motive de le faire ? D'abord, le goût de cet art que j'affectionne beaucoup, oui. Mais aussi le fait de me faire ambassadeur de cet art ailleurs. Okay. Ça me fait énormément de la peine de voir que le Congo a perdu une place sur l'échelle internationale, oui. Sachant que grâce à la première chaîne Ozerté, nous étions les premières personnes à diffuser le sketch théâtral. On voyait à l'époque Maman Gibi, les Mangobo, les Mondouri qui jouaient là-bas à un moment, je crois les... Maman Bomengo, plusieurs acteurs. C'est lui qui a recommencé ces histoires, même de One Man Show. Les Trio d'Assoufa, c'est le premier trio africain dans l'humour qui a eu à faire une tournée africaine. Okay. Donc on a perdu une place et ça me faisait du mal. Beaucoup de personnes me disent, mais on peut bien le faire en Lingala, mais ma dévotion, c'est vraiment de faire en sorte que la RDC puisse être parmi ces pays africains quand il s'agit de rendez-vous du rire. Oui. Et c'était ça ma motivation. C'était le fait de voir notre étendard flotter. Oui. Donc, on était très heureux de voir que dans un festival où il y a Jamel Debbouze, nous avons aussi un Congolais de Kinshasa qui est là pour nous défendre. Donc c'était un peu ça. C'est tout le temps la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, mais pourquoi pas le Congo. Et pourtant, c'est un centre culturel, ce pays. Oh là là, ça c'est très bien déjà. Félicitations pour ça. Beaucoup, vous êtes vraiment un jeune très, très courageux. En regardant tout ce que vous avez réalisé, M. Roncia, n'est-ce pas que dans votre génération, vous pouvez placer une personne qui a mieux fait avant vous ? Avant nous, bien sûr. Il y en a tout plein. Il y en a tout plein. Il y a de votre génération. Qui ont fait avant nous. Oui. Yeah. Par rapport à vos réalisations, parce que nous reconnaissons que vous avez à réaliser pas mal de choses que d'autres personnes qui n'ont pas encore réalisé jusqu'à là. Voilà. Avant nous, il n'y avait pas vraiment une génération d'humoristes. Okay. Nous sommes, moi je dirais, la première génération d'humoristes stand-up. Donc j'aurais du mal à parler des personnes qui ont été là avant moi. Et les personnes qui ont été bien dans la comédie, dans le théâtre, que je respecte, par exemple M. Rock Bodo, Rabela. Monsieur Fiston Saïsaï, Monsieur Ladi Sobé, Charlie Videlois, d'ailleurs pour qui j'ai beaucoup d'affection. Okay. Mais quand on parle de première génération d'humour, Congo, nous en faisons partie. Donc voilà. Ok. Donc on peut retenir qu'il n'y a personne devant vous ? Non. Par rapport aux réalisations ? Non, malheureusement. Mais il y a d'autres personnes qu'on peut citer les noms. Y a pas de souci. Notamment, on peut dire il y a Dauphin Boulamata, dit. C'est un très bon. C'est un très bon. Très bon. Mais très il n'a pas eu à réaliser ce que vous avez fait déjà. J'ai aussi eu à réaliser ce qu'il n'a pas réalisé. Comment ça ? Je n'ai pas pu aussi. Et les choses qu'il a réalisées, moi, je n'ai pas encore eu la chance de prester devant le président Kabila. Mais lui, on peut citer notamment Félix Kisabaka. Félix Kisabaka aussi. Il a fait des choses que je n'ai jamais eu à faire. On peut retenir que vous êtes au top de tous ? Non, que je fais juste bien mon travail. On peut retenir. Je fais très, très bien mon travail. Voilà, chers auditeurs, nous vous rappelons que nous sommes en direct de la radio Afro Diaspora. C'est comme ça que non, la meilleure, ça s'est passé ici chez nous. Donc, on est là avec Messie Rancière Koukielukil, avec qui nous essayons de débattre, de discuter. Je crois bien, petit à petit, il entre déjà dans notre mood. Mais je vous rassure qu'on va finir ici. Il ne va pas me gagner. Ici, moi, on me gagne. C'est vrai. Il n'y a pas de souci. Voilà, Monsieur Roncia, bon, nous allons revenir concernant votre parcours également, votre vie et puis vos projets d'avenir également. Mais j'aimerais à ce qu'on puisse d'abord parler de ces sujets qui étaient prévus, dont nous allons parler de l'importance de l'influencière. Ouais. L'importance de l'influencière. Ici, nous sommes à Top Influencière. C'est une émission qui parle des influenceurs, bien sûr. On avait choisi une thématique qui parle de l'importance des influenceurs. Pardon. N'est-ce pas que vous êtes influenceur, on peut dire ça ? Moi, je le pense aussi. Hein. Je le pense aussi, c'est le terme du 21e siècle qui fait un courage. Okay. Je crois que je le suis, mais pas comme les gens le pensent. Okay. Selon votre façon de comprendre, comment on peut définir l'influenceur ? Bon, en fait, moi, je pense que... Je veux d'abord revenir un peu quelques années passées. Oui. On parlait juste des stars. Des stars. Et des vedettes. Oui. On choisit une vedette pour un produit,
pour diffuser, pour faire ceci, cela. À l'époque, il y a eu des Mangourou qui l'ont fait, il y a les Siatoula qui l'ont fait et tout. Bon, aujourd'hui, le terme est devenu assez spécifique quand on parle d'influenceur. Tout simplement, cette personne, de par ses contenus, arrive à lancer un message qui pourrait circuler, qui pourrait atteindre un bon nombre de personnes. Et aujourd'hui, on retrouve beaucoup de personnes influenceurs politiques aussi, ça existe. Je connais par exemple une page centrale sur Twitter, qui, un compte pardon, qui est très politique et qui permet de faire des diffusions de certaines choses. Il y a des influenceurs aussi dans le monde du divertissement, ceux qui font du contenu pour la mode, dans le rire, dans les cinémas. Certains en font des vlogs. Et puis il y a des influenceurs aussi dans les milieux médicinaux. Donc je pense qu'il y a un peu des influenceurs partout. C'est des personnes qui, par leurs canaux de diffusion, peuvent atteindre un bon nombre de personnes à travers leur contenu. Ils peuvent être utilisés comme égérie pour présenter quelque chose, pour la vulgarisation d'un produit. Ça, c'est très bien à comprendre. Alors, Monsieur Roncio, en regardant nos influenceurs congolais, apparemment, ils ne maîtrisent pas les noms influenceurs par sa définition. Pas faux. Parce qu'en fait, on a limité influenceur à visibilité de ou à nombre de vues, nombre de cas. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas voir des sponsors, ils te diront, vous avez combien de cas? C'est toujours, moi j'ai 30K, 50K, 60K, 100K. On a limité l'influenceur à un nombre d'abonnés et un nombre de vues. Et pourtant, il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont pas ce nombre d'abonnés, mais qui sont plus connues et qui, quand ils parlent, il y a une répercussion. Très bien. Aujourd'hui, je pense que sur Facebook, j'ai plus d'abonnés que les chefs de l'État. Donc, je suis plus influent que le chef de l'État. J'ai plus d'abonnés que la première dame sur Facebook. Mais est-ce qu'on dirait que je suis un peu plus influent? Très bien. Ou si mon message passait, ça atteindra autant de personnes? Non, du tout. Donc, je pense qu'on a limité l'influenceur juste à certains critères techniques qui aujourd'hui sont des fois très erronés, parce qu'il y a des personnes qui s'achètent maintenant des abonnés, il y a possibilité d'acheter des vues. On ne sait plus qui est influent. Et pourtant, on devrait le reconnaître par ses contenus, par la façon dont il a drainé une foule par rapport à une idée quelconque. Donc c'est ça en fait. Moi je pense qu'il y a des vrais influenceurs, des vraies personnes qui sont influenceurs, mais qui ne savent même pas qu'ils sont influenceurs. Très bien, on comprend. Je vous donnerai un exemple bête de quelque chose qui a été, désolé, malheureusement éphémère. Quand une personne dit Bolamba Bolia Metroyate. Aujourd'hui, c'est une seule personne qui arrive à faire répéter cette petite phrase à milliers de personnes. Voyez-vous ? Donc, c'est aussi ça l'influence. D'accord. Mais après, il faut maintenant savoir comment vous le dirigez. Parce qu'il y a des influenceurs qui peuvent t'influencer aussi dans la bêtise. Puis il y a des influenceurs qui peuvent aussi t'influencer pour dans les valeurs morales et éthiques. Très bien. Malheureusement, sans dans la société, on en a peu. Beaucoup de personnes sont influenceurs puisqu'ils voyagent. Beaucoup de personnes sont influenceurs, c'est parce qu'ils fréquentent des hôtels 4 étoiles ou 5 étoiles. Moi, je ne cesserai de féliciter une sœur à moi, Mujinga Ruby. Qui est une influenceuse qui permet à beaucoup de Congolais, des milliers de Congolais, d'apprendre le Tchuluba en ligne. Elle essaie de prendre des mots, le traduire en Tchuluba, essaie d'expliquer certains coins et recoins du côté Kassai oriental, Kassai occidental. Et moi, je trouve ça tellement génial. Parce qu'en fait, c'est une influenceuse dans un domaine assez précis. Il utilise le tourisme, la culture, pour vulgariser tout ce qui est de son pays. Malheureusement, Baza Mingite, Tuzara Nabatumuro, donc mon mystique. Très bien. Alors, monsieur Rancia, parlons du bon côté. Comment un influenceur peut s'y tenir? Ça dépend de sa vision. Oui. Ça dépend de sa vision. Quand on est influenceur chrétien, on a une autre vision de faire les choses. Quand on est influenceur pour atteindre certains produits, on a encore d'autres choses. Je pense que tout dépend d'abord du choix de la personne. Ça, c'est bien. Et sur base de ce choix, il pourra déterminer qu'est-ce qu'il pourrait faire pour qu'il attire certaines choses d'un domaine bien précis. Donc la façon de se tenir d'un influenceur dépend vraiment de sa moralité et de sa vision. Très bien. Il y a des influenceurs qui font peut-être le contraire. Alors c'est quoi le rôle d'un influenceur? Aujourd'hui, s'il faut le dire positivement de mon côté, mais c'est vraiment prôner les valeurs morales. On est dans une société africaine aujourd'hui, et quand je suis de live sur TikTok,
je suis quand même assez abasourdi de voir tous les propos, tous les injures. Très décevant des fois. Ne font que se répéter. Oui. Quand on va sur les pages ivoiriennes, oui, on est africain, il y a les mêmes commérages, mais oui. On parle aussi d'autres choses. Il y a des débats assez satisfaisants, il y a des débats assez constructifs. Moi, je pense qu'il faudrait plus que l'influenceur soit un canal de changement positif de la société. Oui. Chacun a ses choix, chacun a son éducation, mais je pense que de manière générale, pour une génération qui viendra après nous, il faudrait que l'influenceur puisse avoir des contenus qui visent une morale positive. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de subir des déprivations de mœurs juste au canal de médias. Oui. C'est ce que les enfants voient, c'est ce que les enfants reproduisent. Ok, oui. Donc, on peut... Moi, aujourd'hui, c'est une parenthèse que je vais essayer d'ouvrir et de la fermer assez rapidement. Je viens de perdre un ami dans les médias, Jos Berry Mata, qui était chargé de communication du prophète Joël Francis Tatou. Oui. Alors, il a eu une crise, mais pendant qu'il faudrait les réanimer, les vidéos que nous avons vues, le jeune n'arrivait même pas à faire un massage cardiaque. Oh là là. Voyez-vous. Or, dans les médias... On peut utiliser. Vous parlez de quelle vidéo? Ce qui s'est passé aux États-Unis? Non, c'est ici à Kinshasa. Okay. Donc c'est arrivé même à Kabamba. En fait, il y a eu un problème de premier secours. Les gens ne savent pas comment faire un premier secours. Si une personne se blesse, si une personne tombe en syncope, comment on peut faire pour le réanimer? Mm-hmm. Et tu peux voir dans la vidéo que si la personne a succombé assez rapidement, c'est aussi parce que les premiers soins n'ont pas été faits assez rapidement. Okay. Et je pense que ça, c'est des choses comme ça que les influenceurs congolais peuvent essayer de reproduire. Normalement. Parler des premiers secours. Il y a des personnes qui drainent 100 000 abonnés, 200 000 abonnés. Ils peuvent bien s'en charger. Mais pourquoi tout le monde part du côté nudité? Tout le monde part toujours du côté sexisme. D'accord. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la bêtise ne cesse de grandir. Même ceux qui sont assez petits ne font que refaire ce que les grandes personnes sont en train de faire. Très capital. Donc je pense qu'il faut vraiment que ça soit d'abord de base morale et puis le reste en suivant. Voilà. Que pouvez-vous reprocher à nos influenceurs congolais surtout? Il y a un problème de contenu. Et un problème de plagiat. En fait, j'ai l'impression que depuis un moment, on a perdu certaines originalités de par nos contenus, de par nos programmes. Ce que tu vois ailleurs, c'est ce que forcément les autres sont en train de refaire. Beaucoup manquent d'identité. Vraiment, ils manquent d'identité. Ils ne savent pas pourquoi ils sont. Quand on te dit, on leur demande, vous influencez dans quoi? Ils ne savent même pas répondre avec 10 phrases ou 3 petites phrases parce que justement, ils ne savent pas pourquoi. Mm-hmm. Beaucoup se sont appelés influenceurs parce qu'ils ont de belles formes, parce qu'ils ont, je ne sais pas, une dentisterie assez bonne à voir, mais il n'y a pas de contenu. Très bien. Je pense que si, moi je pense que plus tard, il faudrait, je ne sais pas si on va demander cela à la SACEM, mais trouver comment organiser cette branche-là, parce que je pense que c'est très important. Même pendant les élections, les influenceurs ont beaucoup travaillé. Oui. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une autre forme de communication qui s'installe. Okay. Après la presse écrite, la radio, les télés, Internet, a ramené quand même une autre forme de communication. Mm-hmm. Que si on le régularise bien, on saura différencier qui sont juste... influenceurs qui ne le sont juste pas quoi en fait. Très bien. En regardant tout ça, donc, ça montre que normalement il devait-il avoir des orientations quelconques. On devait avoir une toute organisation qui devait s'occuper des influenceurs. Exactement. Apparemment, c'est ça qui ne s'en fout, monsieur Christian Bossemé. Non, je pense que il faudrait le lui dire. C'est un visionnaire. Lorsqu'il y a eu des clashs sur Internet, des églises, il a eu à intervenir parce qu'il s'agissait aussi de la communication. Okay. Je pense qu'il voit un peu tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Mais il ne dit rien. Je ne sais pas trop. Apparemment, il y a quelque chose qui ne se comprend pas à l'intérieur. Moi, je dirais ceci. On a vu comment il agit quand il y a eu Bachelor. Comme vous avez bien cité, assez constant, les églises entre Pasteur Marcelo et M. Wazikwa. Il était très, très chaud d'ailleurs pour réagir. D'accord. Mais avec tout ce que nos influenceurs font sur les réseaux, il n'est dit rien. Moi, je pense que, je ne sais pas trop, hein, il faudrait qu'on puisse peut-être lui faire parvenir un mémo pour qu'il y ait changement. Mais je sais qu'en tant que visionnaire, il est déjà en train de réfléchir à quelque chose. Je connais un peu la personne de M. Christian Bossembe et espérons qu'il va essayer de régulariser cela parce qu'il y a beaucoup de bêtises qui se passent sur Internet concernant les vies privées et certaines choses que beaucoup de nos jeunes ne peuvent pas prendre accès pour écouter. Donc, je crois qu'on demande à la SACEM officiellement
de vraiment mettre la patte dessus. Okay. Ça nous éviterait aussi certains conflits et certains... Là, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre certains débats tribaux sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Il y a des émissions qu'il faut arrêter, il y a des directs, il y a des pages qu'il faut essayer de saisir. Normalement. Même s'il faut créer une cybercriminalité pour essayer de stopper cela, je pense que l'idée serait une belle chose. Très bien. Monsieur Roncia, en étant influenceur, est-ce que c'est important d'exposer sa vie sur les réseaux tout en étant influenceur? En tout cas, on est tous adultes. De ce côté-là, je ne saurais pas donner conseil à qui que ce soit. Beaucoup ont leur conception de la vie, mais je pense que... Non, selon vous, selon vous. Personnellement, je trouve que non, c'est pas important. C'est pas important. C'est un show, c'est... Quand on est à la télévision, on est devant la caméra, devant des sketchs, devant des plateaux télé, oui. On devient acteur du média. D'accord. Qui dit acteur, on voit directement un personnage, on devient une autre personne quand on est devant la caméra. Parce qu'on ne demande pas forcément, je peux avoir l'atout, mais je le gère parce que je suis à la télévision. Oui. C'est-à-dire que je suis dans une autre peau, je suis dans la peau d'une autre personne que moi. D'accord. Ok. Donc moi je pense qu'il y a des choses qu'il ne faudrait pas sortir, la famille, des choses privées. Reste privé. Donc, on se concentre sur la carrière et ce qu'on offre comme show. Ok. Mais récemment, on avait à parler de l'actualité. Ça fait partie, apparemment, quand on expose ça à sa famille, d'autres personnes gagnent les vies ainsi. Bon, Dieu a. C'est comme ça que je dis que tout dépend de tout un chacun. Dieu, il y a des personnes aussi qui ont été gratifiées d'un don en exposant leur vie. Okay. Moi, je pense que personnellement, ce n'est pas mon cas. Alors. Il faut laisser sa famille hors de son buzz, hors de. Ça va tellement influencer beaucoup de choses. Les enfants vont avoir du mal à accéder à tel endroit, tel endroit, parce que papa est assez connu, il faut les garder du corps. D'accord. Ça pourrait même irriter la vie des enfants. Donc moi, je pense qu'il faut laisser tout le monde, il faut faire sa star seule et laisser aussi sa femme et ses enfants faire leur vie. Ça, c'est très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire comprendre l'importance d'un influenceur? C'est ce que pas mal de gens ne maîtrisent pas. Non, il est très important pour les compagnies, pour les entreprises. Oui. Pour une visibilité quelconque. Okay. Comme on l'a dit au début, c'est vraiment un vrai canal et support de diffusion. Okay. Et tout dépend de comment il se présente. Il y a des influenceurs qui peuvent matcher avec une entreprise, d'autres pas. Oui. Je donnerai l'exemple de Pasteur Laure Lombo. Tu ne le mettras pas dans une publicité d'une bière. Oui. Ça ne matche normalement. Pas. Il y en a tellement que je peux énumérer, El George ou tout ce qu'on voit. Donc l'influenceur, il y a des influenceurs qui matchent aussi avec un produit ou pas. D'accord. Mais sinon, il reste un canal de diffusion sur le web. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Et on comprend. Donc, on comprend qu'un influenceur a certaines valeurs. Exactement. Dont il ne peut jamais perdre. Tout à fait. C'est tout ce qu'on peut retenir. Exactement. Alors, s'il faut partager... le même avis avec certaines certains parents qui interdisent leurs enfants de suivre des influenceurs. Que direz-vous? Ils n'ont pas tort, hein, parce que il n'y a rien de bon qui est proposé. Vous confirmez? Oui, la majorité des choses qu'on suit. Donc tout ce que nos influenceurs font sur TikTok, la chenille. Je pense qu'il n'y a pas 50% de positivité. D'accord. On ne peut pas voir, on peut pas en citer 10 qui font des choses qui donnent envie aux enfants qui viennent après nous de devenir quelqu'un. Tu vois, la jeunesse se perd, mais très mal, très très mal. Okay. Aujourd'hui, il y a des vidéos twerk tout le temps, les gens restent nus pour avoir de likes. Oui, des likes. Et nos plus jeunes, aujourd'hui, Internet, au courant, n'est pas assez protégé. Ce qui veut dire que tout le monde a accès aux sites bizarres, tout le monde a accès à tout le contenu. Okay. Et pourtant, en Chine, par exemple, il y a une régularisation du genre. Le TikTok que nous faisons ici, en Chine, on n'en voit pas. Les Chinois sont que sur les TikTok où on parle des technologies. Oui. Mais c'est nous qui nous mettons à nous abrutir dans les TikTok. Okay. Et je suis désolé, à moins que vous m'en citiez 5 qui font du contenu qui influence A. Super. Ça, c'est bien. Mais en tout cas, c'est négatif en ce moment. Ok. Et alors, si on vous demandait de citer 10, non, 10 c'est trop. On peut prendre même 5. 5 influenceurs qui sont dans le bon. Des influenceurs congolais d'abord. Nathalie Urbain, oui. Nathalie Urbain, c'est une mannequin aujourd'hui, une amie avec qui je collaborais, qui est dans le monde de la mode. Ok. Elle venait d'organiser récemment une édition Fashion Week Octobre Rose. Pour lutter contre les cancers, il y a des fois qui ont été réunis pour venir en aide à,
à d'autres personnes oui. qui souffrent du cancer. Okay. Et la fille qui fait ça n'a que 27 ans. Oh là là. On est trop fiers de la voir. Elle venait de nous représenter aux Émirats et elle a défilé avec Naomi Campbell. C'est une Congolaise okay. qui a vécu un guiringuiri. Et ça, c'est une de nos fiertés. Une très bonne chose. Je citerai aussi Trésor Lola. Okay. Le Mana qui est en train de construire aujourd'hui, je crois, une morgue à Goma mm-hmm. pour nos vaillants soldats qui sont en train de subir certaines choses horribles que nous ne saurons pas supporter. Okay. Il y en a tout plein. Je parlerai de Shongo Lumumba aussi, qui est une personne dans le monde de vêtements, qui fabrique ses vêtements, ses ensembles. Okay. Donc voilà, ces ensembles pour revendre dans d'autres pays. Oui. Il est aujourd'hui styliste de beaucoup d'artistes africains. Oui. Barbara Kanam notamment, okay. qui est en ce moment à Abidjan aussi pour d'autres choses. Oui. Diddy Stone Nike. Parlons à Diddy Stone Nike, oui. qui aujourd'hui, un peu partout, ne cesse de nous défendre. Okay. Ou pas. Très bien. On va également parler de Stone un moment. Alors, dans vos top 5, apparemment, on a remarqué, il n'y a pas les noms de Maria Tumba. Maria Tumba. Alors, elle influence aussi, ici moi, à Kinshasa. Moi, je suivais ses contenus. Moi, je trouve qu'elle est influente. Elle est très influente. Okay. Mais je ne sais plus aujourd'hui quelle. Mais quand même, elle ne pouvait pas se retrouver dans vos top 5. Non, moi, je parle de personnes. Elle ne mérite pas. Non, pas qu'elle ne mérite pas. C'est-à-dire aujourd'hui. Elle n'est pas dévotion, on comprend alors. Non, je n'ai pas encore eu le temps de suivre ce contenu. Les derniers contenus que j'ai suivis de Maya Tumba, c'est là où elle parlait de je voyageais 22 fois, j'ai fait ceci, cela. Okay. Si elle a des concepts qu'elle présente, moi tu me le présentes, ça passe bien. Okay. Moi, je connais Maya Tumba par une vidéo avant, je crois. Je lui ai même laissé un message pour lui que j'aimais beaucoup. Elle a interpellé les filles avant. Si c'est la même personne que j'ai connu en tout cas, d'accord. Doit rester une influence. Ouais. Une influence. Très bien. Alors, par rapport à la dernière vidéo que vous avez suivie, dont elle parlait de ses voyages et tout, exactement. Et quel jugement vous pouvez apporter à cette vidéo? Elle parle de sa vie. Elle parle de sa vie. C'est une personne publique connue. Oui. Je crois qu'elle a le droit de parler de tout ce qu'elle fait. Récemment, on vient de dire que c'est déconseillé d'exposer sa vie au réseau. J'ai parlé de moi. Personnellement. Ok. Des personnes qui ont accepté d'exposer leur vie, leur prouesse, leur voyage et tout ça. Ça les régale qu'à eux. La caméra est devant vous, un conseil à Maria. Écoute, moi je t'apprécie beaucoup. Depuis la première vidéo que j'ai suivie de toi, je crois que je t'avais laissé même un message pour te dire que j'ai beaucoup kiffé. J'espère que tu es toujours sur cette voie et que tu seras une référence dans la production de ton contenu pour tes frères et sœurs qui te suivent sur le réseau. Très bien. Chers auditeurs, je ne martèle rien. En tout cas, là, je reste sans voix. Je reste sans voix. Je dis rien. Donc, entre partager le lien, partager. Nous vous rappelons que nous sommes en direct de la radio Afro Diaspo. La radio qui bouge actuellement. On est là. Nous parlons d'une thématique très, très, très importante. Vous qui venez de nous rejoindre il n'y a pas longtemps. Nous parlons d'une thématique à ce qui concerne les influenceurs, l'importance de l'influenceur. Voilà. Donc, on est là avec Monsieur Roncia Koukilukila. Nous sommes en train de débattre vraiment à ce sujet très, très, très pertinent. Monsieur Roncia, vous êtes influenceur, comme on l'avait dit au départ. Quels sont les devoirs et le droit ou le mérite d'un influenceur dans la société? Ben selon vous, je crois que c'est pas encore bien réglementé. Ok. Ok. Moi, je pense que tout est contractuel. Tout dépend aujourd'hui de la négociation qui se passe entre le produit qui est l'influenceur et la personne qui vient demander sa prestation de service. En n'étant pas un métier reconnu dans le ministère du Travail, il n'y a pas encore de réglementation. Où on pourrait dire clairement les attentes des influenceurs, d'accord. ou leurs devoirs, ou leurs droits. Mais je pense que tout reste encore jusqu'en ce moment sur le compte actuel entre deux parties opposantes. Ça, voilà. C'est bien, on comprend. Super. Également, étant qu'influenceur, quelles sont les expériences que vous pouvez partager à ce qui concerne les contrats que vous avez eu à signer tout au long de votre parcours, votre carrière également?
Non, je pense que ça a été un peu plus négatif, positif que négatif. Oui, oui. Tout s'est passé bien pour moi. Les collaborations avec les marques. D'accord. J'ai eu un moment à travailler avec des liqueurs. Oui. Peut-être le premier influenceur à travailler avec William Lawson, par exemple. D'accord. J'ai eu à diriger certaines campagnes durant près de 2 ans. D'accord. Et que dirons-nous encore de Canal+, avec qui je collaborais, que ce soit dans les émissions Canal+, ou dans certaines activités. Je pense que ça se passe très bien. Okay. Sauf que par moments, ce qui est dur, c'est quand l'influenceur et la personne qui demande une prestation de service, oui, le client, oui, ne s'entendent pas par rapport aux ententes. Par exemple, une anecdote, une fois j'étais sur un très bon deal, mais ma vision de choses ne me permettait pas, par exemple, de faire un roadshow. C'est-à-dire, vous voyez cette histoire de tout ça, la musique, carnaval, oui, voilà, oui. Tu vois, ça, moi, avec mon branding, je ne me vois pas dans les animations carnaval. Mon, oui, branding, ma vision ne me permet pas de me retrouver dans ça. Et ça, pour certains sponsors, c'est par moment inadmissible, parce que les gens oublient que les influenceurs ont aussi de clauses qu'ils n'arriveront pas à faire par rapport à leur image. Il y a des influenceurs qui, comme je dis, ne peuvent pas c'est lié par exemple à la nicotine, c'est lié par exemple à l'alcool, c'est lié par exemple, je ne sais pas, à l'eau. Donc je pense que c'est un peu ça. Oui. Mais ça a été moindre. On a vécu quand même des très belles collaborations. Je pense que les personnes pour qui j'ai été influenceur n'ont jamais été déçues. Très bien. Donc on peut dire que tout a été bon depuis que vous avez commencé. En tout cas, jusque-là, il y a quand même un sans faute. Au moins, vous avez cette grâce. Félicitations pour ça. En tout cas, on travaille. D'accord. Très bien, voilà, on continue. Cette fois-ci, maintenant, nous allons prendre une part de l'actualité. On va parler de l'actualité. D'accord. Bon, du côté comédie, il y a une actualité qui fait du buzz récemment. D'accord. C'est qui oppose les comédiens de la RDC et du Congo Brazza. Par une vidéo, par une sortie médiatique, on allait dire, que M. Herman Amissi avait fait. Vous avez suivi quand même? Oui, j'ai suivi. Et quelles sont vos impressions par rapport à cela, avant que je puisse continuer avec d'autres questions? Oui, mais c'est drôle pour eux, hein. C'est drôle. Je trouve que les gens s'amusent bien sur le réseau. Très bien. Ouais. Ça ne pourrait pas y avoir de inconvénients après? Non, mais tout dépend. Tout dépend. Le Congo Brazzaville et le Congo Kinshasa, c'est deux pays frères. Il n'y a pas à y mettre de la haine. Okay. C'est drôle. C'était un petit... On se taquine de temps en temps, quand il y a des matchs, on se taquine, mais c'est deux pays frères. C'est je pense que frères. Cette blague va rester... En fait, je ne vois même pas rien de si grave dedans. Apparemment, tout le monde se met dans ça, mais vous êtes de côté? Non, je ne... C'est parce que c'est pas trop intéressant? Non, je ne me mélange pas avec tout. Ok. Je ne me mélange pas dans tout et avec tout. C'est pas parce que quelque chose fait buzz que je viens m'y mettre. Je ne saute pas sur le buzz. Actuellement, nous parlons de Roncia. Oui. Quelle est votre relation avec vos amis artistes, notre artiste? Ça va, on se connaît très bien. On a eu à collaborer avec certains. Et voilà, on continue à collaborer avec d'autres aussi. Ok. Apparemment, je ne sais pas si je n'ai pas si je perds de vie. Je ne vous ai jamais vu avec Herman Amis faire une vidéo. C'est vrai, on a fait plusieurs vidéos. Okay. On a fait Requin, je crois qu'on a fait 2 ou 3 vidéos comme ça. Et il faut savoir qu'il fait partie des artistes aussi que j'ai encadré à un moment de ma carrière. Okay. Qui a bénéficié aussi de mon coaching. Ah oui. Donc voilà, on a fait déjà des vidéos, tu es en retard. Ok. On a fait des vues, des milliers de vues. Vraiment. Déjà. Très bien. Et alors, tout en état humoriste, vu que nous sommes presque à la fin, un mot pour tes amis humoristes, pour votre communauté. Pour mes amis humoristes, pour oui, ma communauté humoristique. Oui, oui, oui. Ah, donc, chers amis humoristes, je suis très fier de votre travail. Cette année, je vous souhaite bonne année. Et surtout, bonne année à tous ceux-là qui volaient des blagues sur Internet, qui les reproduisaient sur leur page. Arrêtez ça, arrêtez de voler des blagues. Vous qui volez des blagues ivoiriennes pour en faire de buzz à Kinshasa, s'il vous plaît, arrêtez de voler des blagues. Tous les humoristes qui prennent des sketchs de Nigérians pour les venir le faire en français, arrêtez cela. Okay. Et je voulais vous dire que je ne vous laisserai jamais être le numéro 1. Merci. Ah, mais apparemment, vous étiez trop... je vous suivais, vous étiez trop discret. Donc, vous évitez à toucher certains points. C'est dit à quoi? Comme
Le mal avec nous, je dirais que c'est pas bien. Le mal avec nous, les Congolais. D'accord. À des fois, nous avons tendance à éviter des problèmes qu'on ne peut pas éviter. À éviter des choses qu'on ne peut pas éviter. On a évité quoi, quand vous venez de parler qu'il y a d'autres, humoristes qui prennent des sketchs des Nigériens, par exemple, et ils viennent avec ça ici. Alors, ça serait très bien de citer carrément leur nom. Non, pour les interpeller. Ils se connaissent. Je n'ai pas pour but d'arrêter les carrières des autres. Ok. Non. Donc vous pensez que s'il faut citer les noms, si on cite ça va arrêter certaines carrières. Les gens vont se désabonner de leur page. Parce que le Congolais, c'est une personne noble. Le Congolais, c'est une personne travailleuse. Ok. Nous, on ne copie pas. Ok. On copie, c'est nous qu'on copie. On a copié notre musique ailleurs. On a copié notre lingala dans certaines chansons. Mais nous, on ne vole pas. Très bien. Donc ça fait mal de voir que. Tel humoriste se plaint parce qu'on a volé sa blague, tel humoriste se plaint qui est de l'Afrique de l'Ouest qui se dit voilà, un Congolais a volé ma blague. Ils se connaissent. Okay. Et moi je les exhorte, étant que leur grand frère, d'arrêter. En ce moment, je parle à quelqu'un qui me suit. Leur grand change frère, ta vie. Leur leader. Leur leader. La personne qui a mieux fait. Puisque... La personne qui a mieux fait. puisque... Mais en fait, je veux entrer dans ton terrain. Je vais entrer dans ton terrain. Tu en connais un humoriste qui a fait un stade Akin ouais. Au Congo ouais. Je dirais non. Non. Il est en face de toi. Ah, je sais. Quand je dis que tu fais mieux que eux, ce n'est pas comme si on monte. Non, en tout cas, on doit s'accepter. On doit vraiment vous rendre des hommages vivants. Donc là, c'est connu. Personne ne peut contester de Rancière. C'est connu de tous. Nous tous, nous sommes des témoins oculaires. Je les exhorte à travailler. Il y a encore de l'inspiration. Il suffit de toucher son stylo. Arrêtez de voler les blagues des gens, s'il vous plaît. Ok. Très bien, monsieur Rancière. Nous chutons petit à petit. Dites-nous, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de votre carrière? Durant votre carrière, quelles sont les difficultés que vous avez à rencontrer? Qu'on continue de rencontrer jusqu'à aujourd'hui aussi, on doit dire, c'est un problème d'accompagnement. Ok. On est dans un pays à musique où tout le monde se donne dans la musique. Tout le monde veut investir dans la musique. Mm-hmm. C'est difficile pour un comédien de performer parce qu'on se dit que c'est la musique qui donne le plus, qui donne le plus et tout ça. Et pourtant, le comédien, qu'on se le dise, moi je viens de faire un stade municipal de 10 000 places. J'étais content de voir un papa, une maman et les enfants. Okay. Or que dans la musique, par moment, tu ne retrouveras pas tout ce monde. Mm-hmm. Dans un concert de certains artistes, tu ne verras qu'il y a de jeunes. Mais nous drainons tout type de personnes. Okay. Quand on faisait le festival Toseka à Mongaliema, à côté de la verdure, c'était plein pendant 4 jours avec 5 000 festivaliers. Mm-hmm. Donc c'est un problème d'accompagnement qui... Il y a un petit complexe de la part de sponsors. Il y a un cliché que les sponsors mettent dans leur tête pour ne pas accompagner les comédiens. Il n'y a pas de salle de spectacle. Conséquent, je remercie d'ailleurs l'initiative du chef de l'État de construire encore des arénas. Okay. C'est bien, mais tout ne peut pas être focus sur la ville. Oui. On doit avoir. Moi, j'aurais bien aimé que ces bijoux-là soient construits à Kinkole, par exemple, pour décentraliser. Et si on pouvait avoir dans chaque commune une salle de spectacle, ça permettrait aux humoristes, à ceux qui font du théâtre, et bien évidemment aussi aux musiciens, de faire des tournées. C'est difficile de jouer 10 dates dans 10 places différentes à Kinshasa parce qu'on n'a pas des infrastructures de spectacle. Et ça, c'est très compliqué. Mmh. Et j'aimerais que cette fois-ci, dans le ministère de la Culture, qu'on y pense encore bien, qu'on nous mette aussi une personne qui maîtrise mieux ce qu'on fait. Ok, un message très fort, en tout cas félicitations pour ça. Merci beaucoup. Ouf, enfin, nous sommes quasiment à la fin. Je suis très heureux, j'ai passé un moment très excellent. Très bien. Tout avant tout, à qui adresserez-vous vos remerciements, rapidement? À mes fans, à ma famille artistique et à ma femme. Ok, vous êtes déjà marié? Eh bah, t'es. Apparemment, mettez mon dada. Oui. Pas mettez mon dada. Vous te dire que on est autre personne sur les réseaux. Ah, c'est très important. Ceci, voilà. Quoi. Voilà. Moi, je pense que ces trois secteurs-là, mes fans, ma famille artistique, ma petite famille, c'est vraiment le plus gros coup de pouce que je puisse recevoir jusqu'à aujourd'hui. Je commençais avec beaucoup de personnes qui ne sont plus là. J'ai continué jusqu'à aujourd'hui à des nouvelles générations qui arrivent. Okay. Je continue toujours à rester là,
et à faire ce métier. C'est grâce à mes fans, c'est grâce à ma famille, c'est grâce à ma famille artistique. Ça, c'est très bien. Alors, un mot pour les cadres qui vous accueillent, Afro Diaspo. Afro Diaspo, en fait, je ne sais pas, pour vous qui nous suivez en direct, vous ne savez pas ce qu'on vit en ce moment ici. En tout cas, ça entre vraiment dans la vision du chef de l'État. Je pense que si le chef était à le dire, je pense que Afro Diaspo, vous devez voir cette chaîne, c'est très important. J'ai été là moi-même. Ok. C'est un peu, si je savais, mais j'allais faire mon interview de la campagne. Oh là 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 là. Je veux en parler à ma femme. C'est ça, Rossi, en tout cas. Et je pense que okay. Après la cérémonie d'investiture, nous allons encore passer ici pour justement parler de... Ok, merci, chef militaire. Félicitations. Ça, c'est très bien. À l'initiateur voilà. De cette chaîne. Mm-hmm. C'est magnifique, c'est moderne. Vous devez juste être là, ça ne donne pas envie d'arrêter. Ah oui. Tout se passe bien, les soins sont juste magnifiques. Merci. Abonnez-vous, restez voilà. Connectés sur ces lives pour ne rien monter de vrais contenus. Et ça, c'est une émission pour une bonne influence. Très bien, ladies and gentlemen. Voilà, nous sommes à la fin de notre aventure. Merci de nous avoir suivis. C'était la réelle plaisir, en tout cas, de savoir que vous étiez très nombreux de voir vos postes, téléphone, radio, en train de nous suivre. C'était vraiment la réelle plaisir. Alors, c'est par ici que nous bouclons notre émission d'aujourd'hui Top Influenceur. On se retrouve la semaine prochaine, j'allais dire. Au revoir.